Charlotte Namur est actuellement sous le feu des projecteurs chaque soir de match sur TF1, sur le plateau du mat de la Coupe du Monde, présenté par Denis Brognard. La jeune femme, qui a récemment fêté ses noces de coton avec son mari, est devenue la cible des internautes malveillants. À lire aussi Blaise Mathieu dit victime de racisme, obligé de réagir face aux attaques. Laura Lone, incroyable talent, crée une vive polémique, son manager réagit. NCIS, Paulette Perret victime d'agression sexuelle, CBS réagit. Vendredi 6 juillet, la journaliste expliquait avoir encore reçu un message salace et misogyne sur les réseaux sociaux. Très remontée, elle a fait croire à son bourreau qu'elle avait porté plainte, et n'a pas hésité à relater ce conflit sur Twitter, définition même de la sémole. Ma menace est bidon, j'ai pas le temps, mais ça suffit à révéler la connerie. Juste pour vous partager un peu de mon quotidien, très viol parfois. Force à vous mesdames. Et pour info. J'ai signalé. Et je remercie à Instagram de n'y avoir vu absolument aucun problème. Quelle bienveillance, on se sent protégé. Charlotte Namur a ensuite tenté de mettre en garde les femmes victimes de cyberharcèlement, tentant d'inciter les parents à enseigner les bonnes valeurs à leurs enfants, un truc violent de la sorte, c'est une fois par semaine en moyenne. Une réflexion misogyne, une insulte sexiste, une remarque sale en rapport au sexe, c'est tous les jours. Éduquez vos fils pour que jamais ils ne deviennent comme ça.